En lecture suivie, je vous propose de découvrir notre collection Lecture en tête. Donc des textes, des romans qui sont proposés du CP au CM2. Alors j'aimerais vous présenter un coup de cœur particulier pour les élèves de CE2 CM1. Il s'agit de Courir pour Zoé, écrit par Marie-Josée Segura. Donc c'est une histoire avec deux entrées. Une première partie qui est l'histoire racontée et vécue par la petite fille, et la deuxième partie la même histoire mais vécue par le regard du petit garçon. L'histoire de Zoé, qui est charmante et rieuse et très gaie, mais qui est atteinte d'une maladie orpheline et pour lequel ils vont organiser tous les deux justement une course pour pouvoir récolter des fonds. Voilà. Et par contre, le petit garçon, lui, est en surpoids et c'est le meilleur ami de Zoé. Et voyons comment il va vivre la maladie de son ami et comment lui aussi apporte son aide en organisant cette course. Donc un gros coup de cœur. Ce que nous vous proposons également et surtout, c'est pour toutes les classes qui auront travaillé au premier trimestre sur ce texte-là, c'est avoir l'opportunité d'interroger directement l'auteur en étant en direct sur Internet avec elle.